Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Geekologie, c'est Captain Morpheus et aujourd'hui on va parler jeux vidéo. Alors il fut un temps où effectivement les jeux vidéo avaient une petite perception un peu différente qu'elles ont aujourd'hui. Grâce à la neuroergonomie, grâce à, on va le voir tout à l'heure, à certains milliardaires, des Bruce Wayne vivants. Bruce Wayne existe. Bruce Wayne existe sauf qu'il n'est pas Batman. c'est Elon Musk. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'effectivement... à l'époque, on avait nos parents qui nous disaient bon, les jeux vidéo, c'est pas bien, nanani, nanana. Bon, nous, la seule chose qu'on arrivait à dire à nos parents, mais vous êtes sérieux, hein, c'est comment? Bah, c'est comment? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une génération où la geekologie et votre geekologue principal se doit d'admettre que le jeu vidéo a pris une part importante dans le paysage culturel français, enfin international, mais surtout français. Et surtout qu'aujourd'hui, bon, ben, vu les budgets qui sont mis dans les jeux vidéo, force est de constater que ça envoie du bois, que ce soit au niveau technique. Là on est dans ce qu'on appelle la next gen, la nouvelle génération de consoles vient de sortir. Vu comment les PC tournent avec les nouvelles cartes RTX, c'est ça, mais c'est des Nvidia, c'est les cartes qui font du ray tracing. Bon, on parlera de ça dans une autre vidéo, t'inquiète, on a du temps, on a plein de choses à faire. Mais en tout cas, moi ce que je voulais faire, c'était un petit billet d'humeur sur les jeux vidéo. Ouais, parce qu'effectivement, bon, moi, comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la neuroscience, à la neuroergonomie, ça fait partie intégrante de mon travail. Alors, pour expliquer un peu la neuroergonomie, ce que c'est la neuroergonomie, c'est simple. Vous connaissez l'ergonomie, c'est la façon dont vous êtes assis au bureau, la souris, les mains, vous savez, hop, la tête, tout ça. Bon, c'est l'ergonomie du corps, ce qu'on appelle la kinésphère. La kinésphère, c'est ce que votre corps est capable d'attraper quand vous êtes sur une jambe. C'est toutes les choses que voilà. Mais la neuroergonomie, c'est toutes les choses que votre cerveau est capable d'attraper. C'est ça. C'est ouais, pas grand chose pour moi. D'accord, j'ai compris. Merci. Blague à part. Donc la neuroergonomie, c'est tout ce que votre cerveau est capable d'attraper. Donc effectivement, si on pouvait réduire la neuroergonomie à certaines choses, c'est aussi l'étude du comportement du cerveau. C'est cette faculté à libérer le cerveau de certaines tâches pour être le plus optimal possible. Optimiser, voilà, c'est ça, optimiser le cerveau, c'est bien. J'aime bien cette expression. Tu optimises le cerveau. Donc, si on regarde bien, dans le monde, que ce soit dans le monde du travail, les gens sont en burn-out. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le système nerveux des gens s'adapte aux objectifs des entreprises. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors que ça serait aux entreprises de s'adapter au système nerveux de ses employés. Bon, je sais, je rêve, c'est un rêve pieux, mais c'est comme ça. Si vous voulez plus de renseignements sur la neuroergonomie, pour cela, je vous dirige vers ce monsieur, Idriss Aberkane. Ah, c'est la pointure du truc. Ah, moi, c'est lui, je suis ses recherches, ses travaux là-dessus, j'ai tout mangé. Ça m'aide dans mon boulot, ça m'aide partout, je vous le conseille. Mais surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte, en étudiant les cerveaux, que les cerveaux les plus aptes à certaines tâches, et voire à des tâches très complexes, sont les cerveaux de gamers. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en tout et pour tout, bon, il y a beaucoup plus de mémoire que ça, mais on a trois mémoires principales, d'accord ? Je vais réduire, vulgariser pour que ce soit plus simple pour vous. Il y a la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est celle qu'on utilise à l'école, c'est celle que j'utilise maintenant pour vous parler. Généralement, elle dure 5 à 15 secondes. Tout à fait. Pour les meilleurs d'entre vous, c'est 15 secondes. Pour les en dessous, c'est 5 secondes. Vas-y, répète ce que j'ai dit il y a 15 secondes. Vas-y, qu'est-ce que j'ai dit il y a 15 secondes ? Tu sais plus. Forcément, parce que la mémoire de travail, elle est courte. C'est pour ça que malheureusement, à l'école, c'est celle qu'on utilise. Donc, on est obligé de prendre des notes et du coup, on n'apprend rien, finalement. Ensuite, il y a la mémoire épisodique. Mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, forcément, c'est pareil. Mémoire épisodique, c'est genre ce matin au petit déjeuner, j'ai mangé ça. L'épisode, c'est le petit déjeuner. Et donc du coup, tu te rappelles de quoi tu as mangé. Ton cerveau a capté par rapport à l'épisode ce que tu as mangé. Ça marche aussi dans le foot. Si vous voulez regarder mes vidéos sur la neuroergonomie dans le foot, allez sur le site Gazeta Foot. Il y a tous mes travaux sur le QI football. Bon, bref, blague à part. Et ensuite, en troisième, on a la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est celle que tu utilises justement pour pouvoir appliquer ce que tu as appris, les gestes que tu as appliqués, que tu fais quasiment automatiquement. Et on s'est rendu compte que les seuls êtres humains capables d'avoir les trois mémoires qui fonctionnent en même temps, ce sont les gamers. Ah, tout à fait, tout à fait.
Hein, ben oui, t'es, oui, j'ai mémoire de travail, ben c'est l'exécution tout de suite. La mémoire épisodique, ah tiens, dans tel monstre, j'ai fait ça pour le battre, hop, je me rappelle comment le refaire. Hein, ou telle procédure, bon, je dois utiliser tel bouton, hein, la mémoire procédurale. Donc les trois mémoires fonctionnent en même temps. Donc c'est, les cerveaux de gamer sont des super cerveaux. Ah oui, si tu regardes le nombre de tâches qu'un gamer fait avec son cerveau pendant qu'il joue, c'est juste colossal. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure d'Elon Musk, mais Elon Musk, hein, ça fait partie des prérequis pour rentrer dans sa boîte. Ah, mais quand t'arrives à la DRH, t'as Janine de la DRH, elle est là, monsieur, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Tu dis non, tu sors. T'as beau avoir fait le MIT, t'as beau avoir fait Harvard, mon cul sur la commode, tu joues pas aux jeux vidéo, tu rentres pas. Parce que Elon Musk a pour dire que les tâches qu'il va avoir à donner à ses employés, si t'es pas capable de faire travailler tes trois mémoires en même temps, c'est pas possible. Ah, forcément, tu vas être bloqué quelque part. D'accord. Donc forcément, alors il organise même des concours de StarCraft, StarCraft 2, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Ouais, StarCraft 2, c'est un truc de fou. Apparemment, c'est le cerveau, là, il est plein de turbines. Ah oui, il y a des concours dans le monde entier de StarCraft 2, et franchement, quand on regarde en termes de synapses, hein, comment ça fonctionne, les mecs, c'est des pointures. Hein, quand on regarde le nombre d'actions qu'est capable de faire le cerveau à ce moment-là, ah, on dépasse largement le... La moyenne, mais largement. Hein. Entre réduire une équation à 13 inconnus et jouer à StarCraft 2, ben, c'est beaucoup plus compliqué de jouer à StarCraft 2. Hein, je te le dis. Ah oui, non, mais complètement. C'est pas les mêmes zones du cerveau. Enfin, en tout cas, voilà, la neuroergonomie, je voulais vous la résumer un petit peu comme ça rapidement. On va en parler, vous allez voir, j'utilise ça à peu près à toutes les sauces, puisque même dans mon travail en management d'entreprise, je l'utilise. Je l'utilise aussi sur le média Gazeta Foot, où j'ai une émission sur le QI football. Hein, justement, on va parler de football tout à l'heure. Mais voilà, donc les jeux vidéo, forcément, aujourd'hui, ils ont cette particularité aussi, quand on regarde au niveau des neurotransmetteurs, d'apporter de la satisfaction, surtout dans les moments dans lesquels on vit, d'avoir le fait d'avoir des jeux vidéo à la maison, ça peut être intéressant. D'ailleurs, pendant le confinement, le marché du jeu vidéo a complètement explosé. Ah oui, bon là, vous avez Xbox et PlayStation qui se tirent la bourre comme d'habitude, mais le grand gagnant, c'est Nintendo. Ah, la Nintendo Switch, les chiffres se sont envolés, Animal Crossing a changé la donne. Non, mais je vous dis que, voilà. Hein. Donc effectivement, on a ces deux grands constructeurs. Bon là, c'est la pénurie, hein. Pour avoir une console, accroche-toi, hein. Entre celles qui sont volées sur les plateformes de tri, parce que, ah ouais, non, mais ça se passe comme ça chez McDonald's. Ah, c'est dur. Ah, moi, la mienne, je l'ai eu en deux fois. J'ai fait la commande, hop, elle a disparu. Le suivi, ah, merde, mon suivi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, livraison, et sur le site de livraison pendant deux semaines. Bon, là, j'ai appelé Amazon, c'était la Fnac. J'ai appelé la Fnac, ils m'ont compris. Hein. Ils ont dit, fais gaffe. Moi, je leur ai dit, je suis youtubeur, je fais une vidéo, vous êtes mal. Ah, c'est comme ça que tu les as, de toute façon. Bon, enfin bref, voilà, donc tout ça pour vous dire que le jeu vidéo quand même gagne ses lettres de noblesse et le neuromythe, hein, neuromythe, vous voyez, hein, qui faisait que bon, ben, les jeux vidéo c'était pour les adolescents un peu teubés, ben, aujourd'hui il en prend du plomb dans l'aile. Parce qu'effectivement, qu'on se rend compte que pour les tâches les plus connexes et répétitives, les plus complexes, pardon, et répétitives, c'est les gamers qui s'en sortent le mieux. Moi, je conseille à tous les DRH de demander à leurs employés, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Si le gars dit oui, t'as de fortes chances qu'il soit moins emprunté avec son ordi, avec ses... Hein? Ah ouais, parce que ça se passe comme ça. Voilà, donc les jeux vidéo, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte ben voilà, qu'au niveau des neurotransmetteurs, ça amène de la dopamine, ça amène... Alors la dopamine, c'est quoi? La dopamine, c'est l'hormone de la motivation, de la satisfaction. Quand tu gagnes à quelque chose... Hein, quand tu gagnes à quelque chose, hop, t'as le taux de dopamine qui monte. Et forcément, la dopamine, c'est l'hormone du bien-être. Donc quand tu gagnes une partie, boum, tu montes. Hein. Par contre, quand tu perds une partie, c'est plus compliqué. Ouais, parce qu'apparemment, bon, d'après les études, hein, encore une fois, c'est les études scientifiques, quand tu perds, par exemple, quand tu perds au jeu, il te faut à peu près 10 victoires pour compenser la dopamine qui a été retirée de ton corps. C'est-à-dire que si tu gagnes, bon, ben, t'as un degré de dopamine, si tu perds, le corps te retire, enfin le cerveau te retire 10 degrés de dopamine. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Hein, donc voilà, donc le jeu vidéo, c'est bien, ça amène cette confiance en soi, ça amène cette réussite, et forcément c'est pour ça que dans des petits jeux, on vous donne des petites réussites, genre Super Mario, vous connaissez Super Mario, hein, ou Sonic, vous avez ces petites pièces tout le long du chemin, gling, 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 gling. Chaque gling, gling envoie un signal au cerveau, t'as gagné quelque chose. Donc c'est ce qui te motive à continuer le jeu.
ce petit gling-gling. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, il te faut toujours un petit win. C'est pour ça qu'aussi, ils sont programmés dans les jeux. Quand des fois, vous avez de la difficulté à passer... ça vous est jamais arrivé, vous avez de la difficulté à passer un monstre et tout, boum, boum, boum. Vous allez vous coucher parce que vous n'êtes pas arrivé à passer le truc. Vous revenez le matin, boum, vous réussissez du premier coup. Ah ben pourquoi ? Ben parce qu'à un moment donné, pendant la nuit, ça a travaillé. Votre cerveau a fait les calculs de savoir comment ça devait passer, mais aussi l'ordinateur est programmé que sur un certain nombre d'échecs pour pas que vous abandonniez le jeu. Boum, on va abaisser le niveau du monstre. Donc l'un dans l'autre, boum, vous passez. Hein, c'est soit le cerveau qui a fait le travail pendant la nuit, soit le jeu qui a été scripté pour qu'un certain nombre de défaites. Alors, on parlera des scripts tout à l'heure, on va parler de FIFA. Ah, c'est dur. Ouais, donc voilà, donc le jeu vidéo gagne ses lettres de noblesse et la neuroergonomie nous prouve qu'effectivement, les gens qui jouent au jeu vidéo, le cerveau tourne à plein régime. Encore une fois, mémoire, les trois mémoires, mémoire de travail, mémoire épisodique, mémoire procédurale. Hein, voilà, ça comme ça, c'est pour votre culture générale. Cependant, il y a des dérives aussi. Ah, il y a des dérives, moi je suis pas content. Ah non, il y a des trucs, vous êtes sérieux, EA Sports ? Vous êtes sérieux ? Non, parce qu'on va parler un petit peu de FIFA. Non, parce que FIFA, c'est le contre-exemple, en fait, de ce qui doit pas se passer dans les jeux vidéo. Donc moi, bien évidemment, avec ma grille de lecture, je vois ce qui se passe, hein, mais beaucoup de joueurs, malheureusement, sont en détresse. Ah, là, oui, on a des histoires d'horreur, là, avec surtout le mode fut. Alors, juste pour vous expliquer comment ça se passe, ce qui est programmé à l'avance, hein, c'est de la neuroergonomie, mais inversée. Hein, on va dire que c'est de la neuroergonomie négative. D'accord ? Donc, ce qui se passe avec FUT, par exemple, en fait, ça se joue à deux niveaux. FUT, comme vous le savez, donc vous recevez des cartes et vous avez un joueur pour tel nombre de matchs avec tel niveau, suivant la qualité de la carte, carte gold, voilà, suivant la qualité de la carte que vous allez avoir. Le souci, c'est qu'il y a une obsolescence programmée du joueur. Donc ça veut dire qu'au niveau des signaux du cerveau, ce qui se passe, c'est que quand vous jouez, d'accord, suivant la qualité du joueur que vous avez, vous allez mieux jouer et vous allez gagner des matchs ou perdre des matchs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous perdez un match, il y a une frustration qui se met en place et ce qui est retiré en dopamine, c'est énorme. D'accord ? Donc on crée une frustration. Donc cette obsolescence du joueur, elle fait qu'on va toujours avoir tendance à vouloir une carte avec un joueur avec une note élevée, mais surtout... qui n'est plus en obsolescence parce qu'au fil des matchs, le niveau du joueur va baisser. Ça, c'est pas très honnête. Non, c'est pas très honnête parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? On crée une frustration, c'est le joueur. Donc le joueur, comme on lui a retiré sa dopamine et que le joueur est complètement junkie à la dopamine, parce que c'est ce qui se passe, on devient accro à gagner des matchs puisque la dopamine qui est envoyée au cerveau nous fait sentir bien. Mais là, avec l'obsolescence des joueurs, qu'est-ce qui se passe ? Ben, le niveau de notre équipe baisse, forcément on perd des matchs et ça crée une frustration. D'accord ? Donc forcément, comment peut-on pallier à cette frustration ? Malheureusement dans ce jeu, c'est en mettant la main à la poche. Et on va recréer un petit peu le bazar, le trouble obsessionnel qu'on peut retrouver dans les joueurs de casino. Parce que en plus de la partie frustration, obsolescence du joueur, on a la partie loterie. Ah, tu sais pas quel joueur tu vas avoir. Donc on a cette partie loterie qui... créer de la dopamine parce que ne serait-ce que le fait d'avoir un bon joueur envoie de la dopamine au cerveau. Et ensuite, le fait de gagner des matchs avec ses joueurs envoie de la dopamine au cerveau. Mais qu'est-ce qu'on a programmé dans ce mode de jeu ? C'est la dégénérescence du joueur, l'obsolescence du joueur, mais surtout le besoin de remettre la main à la poche pour pouvoir récupérer des cartes. Hein ? On n'est plus vraiment sur le mérite, comme c'était à une époque, du joueur, de la personne qui joue bien. On est plutôt sur celui qui a le plus gros portefeuille. Et celui qui n'a pas de portefeuille est toujours aussi frustré. D'accord ? Donc ça, je trouve pas ça très honnête. Mais en plus, il y a la direction, j'allais dire la direction artistique, mais là, on peut parler carrément de direction technique. La direction technique du jeu, c'est quoi ? La direction technique du jeu, c'est que, en plus de l'obsolescence donc des joueurs programmés, il y a un nivellement vers le bas de l'intelligence artificielle du jeu. C'est-à-dire que, à un moment donné, FIFA, c'est vrai que plus tu y joues, plus ta mémoire procédurale devient implacable et plus celui qui débute ne peut pas jouer contre toi. Donc, pour ne pas perdre les nouveaux joueurs, ils ont baissé ce qu'on appelle le gameplay. Donc, ils ont baissé la qualité technique du jeu, d'accord ? Et c'est pour ça que tu te retrouves, en plus d'être frustré de l'obsolescence de tes joueurs, contre un débutant, un gamin de 10 ans qui arrive, qui va tout droit, qui tire et qui marque. Donc, en plus, de l'obsolescence des joueurs, on nivelle le niveau du jeu vers le bas. C'est-à-dire qu'on augmente
le niveau de difficulté, non pas par l'augmentation de la qualité de jeu ou par la qualité de l'intelligence artificielle. On n'augmente pas l'intelligence artificielle au niveau de la qualité de jeu et au niveau du niveau de jeu, mais on crée une incohérence dans le jeu. D'accord ? C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter le niveau de jeu, on crée une incohérence. C'est quoi l'incohérence ? C'est que tout d'un coup, tu as 10 000 occasions et le gardien en face, c'est Spider-Man. Ah ouais, il arrête tout. Boum, 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 boum. Hein ? Que tu peux tirer 150 fois, tu marqueras jamais. Et que le gars, il va partir en contre une fois, il va marquer tout de suite. Hein ? C'est le genre de truc qui enlève de la dopamine, encore une fois, au joueur. Hein ? Vous avez vu comment cette science, quand elle est utilisée par des Lex Luthor ? Hein ? Comment ça fait ? Donc on enlève la dopamine aux gens, et donc du coup on les oblige à mettre la main à la poche pour pouvoir jouer à une loterie qui, en plus, d'après ce que j'ai compris, n'est pas contrôlée par huissier. Donc il y a des, je sais qu'il y a des, il y a des avocats qui ont pris le truc en main, hein. Mais voilà, on va obliger des gens à s'endetter. Un jeu qui doit valoir, je pense, Day One, là en next gen, je pense qu'il est dans les 90€, on atteint des sommes qui peuvent dépasser les 5 000€ à l'année. Hein, juste par ce principe de jeu. Alors bien sûr, il y a toujours un qui va me dire « Oui, mais le niveau de jeu, si tu joues bien, nanana, nanana. » Croyez-moi, au bout d'un moment, vous allez tous être frustrés, vous allez tous mettre la main à la poche parce que le jeu a été programmé comme ça. Et ne me dites pas que c'est de la conspiration, du complotisme. C'est mon boulot. On m'engage aussi des fois à réfléchir à des solutions comme ça. Et moi, je refuse systématiquement. Code d'éthique. Non, 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 non. Moi, la neuroergonomie, c'est fait pour optimiser les choses. Ce n'est pas fait pour régresser. Donc c'est pour ça que moi depuis plusieurs années, hein, je vous le dis, enfin depuis 2 ans, 3 ans, je joue à Pro Evolution Soccer, parce qu'effectivement, que ce soit dans l'intelligence de jeu, dans ce qu'on va appeler le gameplay, c'est-à-dire dans ce qui va être du cadre du football, le jeu a une neuroergonomie, a une espèce de d'intelligence de jeu qui se rapproche plus de ce qu'on peut trouver dans le vrai foot. FIFA, c'est devenu Olivier Tom. D'ailleurs, si vous voulez jouer à un jeu d'arcade Olivier Tom, il y a le jeu Captain Tsubasa, hein, qui est très, très, très ludique. Moi, je l'ai sur la Switch, je l'ai sur la Play. Franchement, c'est le top. D'accord ? Mais en voilà, moi, je préfère PES de ce côté-là. Pourtant, il y avait une bonne idée à la base dans FUT. Hein, vous voyez la façon dont l'intelligence de l'équipe aussi, en fonction de la langue que les joueurs parlent, en fonction de leur poste, en fonction de... Voilà, il y avait une idée de neuroergonomie, justement, d'intelligence de QI football qui était intégrée dans la manière dont tu construis ton équipe. Par contre, derrière, vampirisation. Hein. Et ça, je trouve pas ça très, très honnête de la part de EA Sports. Je pense qu'à un moment donné, les gens comme moi, ils vous voient. On vous voit, les mecs. Hein. Voilà, donc c'était mon petit billet d'humeur sur le jeu vidéo, la neuroergonomie dans le jeu vidéo. On fera d'autres vidéos aussi sur ce genre de sujet, parce que moi, c'est des sujets qui me passionnent. J'adore le jeu vidéo. Hein. Moi, je suis pas ni un Xbox boy, ni un PlayStation boy. J'ai les deux, j'ai la chance d'avoir les deux. J'ai aussi la Switch. Comme vous voyez derrière, j'ai une borne d'arcade avec 10 000 jeux. Je pense que je suis refait. J'ai un PC gamer avec une carte GeForce RTX. Hein, je pense que moi, jeu vidéo, je peux jouer partout, sur le téléphone, maintenant, parce que vous avez avec le Game Pass Xbox, vous avez le stream. Voilà, vous pouvez jouer en stream, en cloud, sur les téléphones et tout. Enfin, on y est, les gars. On a sauté de génération. Donc, on fera d'autres vidéos sur la neuroergonomie et les jeux. Il y a plein de jeux en ce moment qui sortent. Je ferai des billets d'humeur dessus. Tiens, mais la prochaine vidéo, ça sera sur Outrider, le jeu qui vient de sortir sur toutes les plateformes. Et il est gratuit sur le Game Pass. Hein, on parlera aussi de la confrontation PlayStation, Xbox, hein, j'aimerais en parler. Donc voilà, hein, sans créer de contentieux. Allez les gars, c'était Captain Morpheus, billet d'humeur jeux vidéo. On se retrouve très 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 bientôt. Hein, et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Parlez-en à vos amis. Okay, comme il disait Jean-Jacques Bourdin. Parlez-en à vos amis. Allez, bye bye, bonne journée.